On a beaucoup appris, c'était hyper intéressant. On a dansé, on a répété des mots simples, des mots plus compliqués. J'étais très intéressée par l'approche en fait et une façon différente de l'apprentissage. Donc merci pour la formation déjà. Ouais, Merci merci. beaucoup. Et donc pour nous avoir fait vivre cette situation. Donc effectivement, ça peut nous donner des outils de dire ce qu'on fait en fait et de voir que voilà, ça met beaucoup d'énergie. Et de le faire, de le dire et de le faire. Et donner l'importance à observer, ouais. Mémoriser, Pratique. pratiquer, prendre le temps. On a fait le recours dans les chaises, on chante, en même temps on reconnaît. On nommait les noms du corps ouais. Et aussi on a fait des jeux de ballon. Ensemble 22 personnes qui font un son. L'effort, vous avez vu l'effort que ça nous demande? Sinon c'est le bordel. Et tout à coup, à un moment donné, quand on écoute, on sait plus. Comme la musique. Comme la musique, comme la vie. Oui. Là on travaille comme la vie. Et puis on a dit qu'on a aimé la progression des activités. Donc on n'a pas mélangé les activités. On apprend à faire ça et on ajoute. Donc en tant qu'enseignant, on peut faire comme ça. On n'apprenait pas individuellement, mais tu apprends les choses en binôme ou bien avec les autres. Il faut prendre le temps, c'est ça, c'est prendre le temps. De faire les choses, pas faire les choses rapidement, mais vraiment prendre le temps. Donc on a toujours été, tu nous as toujours demandé de ralentir, de refaire. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on le dit. Faire un travail sur le corps, notamment quand les cours ont lieu juste après le déjeuner, c'était sans doute très important parce que c'est des cours où il y a une espèce, quelquefois, de somnolence et que ça pouvait être quelque chose de tout à fait intéressant. Hein. Et on se disait que ce qu'on avait fait ce matin, c'était vraiment directement utilisable dans nos cours. Et nommer les choses pour l'apprentissage du vocabulaire, même le vocabulaire de base, marcher, reculer, devant, derrière. Utiliser les rythmes aussi pour qu'ils arrivent à prononcer une phrase complète sans s'arrêter. Souvent, leur débit oral est haché. L'utilisation du ballon, on pensait que c'était vraiment un outil pour entrer en communication. C'est un créa. Voilà. Ne serait-ce qu'au niveau du regard,
pour aller vers l'autre. Donc on a pensé que c'était vraiment très utile, même si les rebonds avec les balles ne sont pas forcément utilisables dans voilà. nos cours, mais un ballon plus gros qu'on peut se passer. Je suis le formateur d'Irina pour IntégraCode, une formation pour apprendre le code de la route et les compétences langagières du code de la route. Et du coup, moi je suis venu ici sur l'invitation de Marie. Ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant puisque on a appris à la fois à bouger dans l'espace et à avoir confiance avec l'espace autour de nous et aussi à apprendre des mots en français tout en l'alliant avec les gestes, ce que je trouve très, très intéressant puisque du coup, pour moi, on l'apprend beaucoup plus vite.